Il faut interdire l'élevage en cage parce que c'est un élevage cruel qui cause des souffrances pour les animaux, des animaux qui sont complètement coupés de la nature, qui ne voient jamais la lumière du jour, qui ne foulent jamais la terre, qui ne foulent jamais le sol. C'est un mode d'élevage qui est complètement antinaturel, qui ne correspond pas du tout à la manière dont les animaux sont élevés depuis des millénaires par les humains. Et c'est un mode d'élevage qui produit de la viande qui est de mauvaise qualité, qui est en plus abattue dans des conditions ignobles qui causent des souffrances animales immenses. Et donc il faut l'interdire par compassion pour ces animaux qui méritent d'avoir une vie correcte. Il faut signer cette initiative populaire européenne pour forcer les dirigeants politiques à prendre des décisions dans ce domaine. Ces personnes qui sont au pouvoir sont soumises à des pressions, les pressions du lobby de la viande, du lobby de l'élevage industriel, qui poussent à bloquer toutes les avancées dans le domaine. Et donc il faut que les citoyens, chacun à leur niveau, se mobilisent pour forcer les personnes qui sont au pouvoir, qui ont été élues, à prendre des positions pour mettre fin à l'élevage en cage.